allons voir dans cette vidéo sur Unreal Engine 4 et dans la partie donc Blueprint comment l'on peut créer une boucle personnalisée. Je dépose donc une boucle du type Wheel. Donc c'est une boucle avec une condition à remplir qui s'applique donc sur cette entrée. Tant que la condition ici est vraie, la boucle va s'effectuer et lorsque la condition va être fausse, la boucle va s'arrêter. Alors regardons ce qui se trouve à l'intérieur de ce module en cliquant deux fois dessus. Et vous voyez, on arrive ici dans une macro. Ici, vous avez la représentation des modules qui créent cette boucle. La construction est extrêmement simple. On a un module en entrée ici avec donc la condition que l'on doit donc remplir et puis un module de sortie et au milieu on a une branche. Alors tant que la condition est vraie, eh bien vous voyez on boucle comme ceci avec la séquence. Et quand la condition est fausse, eh bien, on va sortir sur la sortie ici. Donc cette boucle est extrêmement simple à construire. Par contre, la boucle for loop est déjà plus conséquente. Alors là, vous avez plusieurs exemples donc de macros qui ont été créés. Un get par exemple ici. Alors maintenant, regardons comment on peut créer sa propre macro. Je retourne donc à cet endroit et je vais donc développer, voyez, la partie engine. Ensuite, dans le système de recherche ici, je peux taper standard. Et vous voyez ici on a un blueprint standard macro que l'on va pouvoir utiliser. Donc on retrouve ici toutes les macros qui ont été créées. Alors on peut créer une nouvelle macro en cliquant ici sur plus macro. Alors là vous voyez on a l'entrée et la sortie qui a été déjà générée. Alors nous allons créer une nouvelle macro. Donc une boucle while loop avec un délai. On commence donc à créer plusieurs entrées sur le module input. Alors on va dans cette partie, on fait new. Alors là on peut donc choisir donc execute. Ça sera donc cette entrée qui est ici représentée. Alors on peut ici je vais laisser new paramètres pour l'instant. Ensuite, je clique encore à cet endroit pour créer une nouvelle entrée, cette fois-ci que je vais appeler delay. Donc le délai que l'on espère donc introduire, ça sera donc une variable du type floating point. Ensuite, on crée une nouvelle entrée qui sera booléenne puisque ce sera la condition, donc vrai ou faux. Donc ici je vais marquer à cet endroit condition. Sur le module de sortie, je vais créer deux sorties. Une sortie donc qui va s'appeler ici loop body pour garder donc les termes utilisés en anglais. Alors ici ça sera aussi une exécution. Et puis encore une nouvelle sortie avec complète. Alors on continue à construire notre boucle. Alors là je peux prendre une branche que je connecte comme ceci. Donc à la sortie de la branche ici je vais mettre une séquence. Alors, première possibilité donc, c'est de sortir comme ceci. Et ici, normalement, on doit faire la boucle pour pouvoir donc faire fonctionner cette boucle while.
Mais là, on a dit qu'on voulait rajouter un délai. Alors, on va taper ici délai. On va peut-être changer ici, vous voyez, le contexte sensitive. Alors, délai. Et on va mettre donc le délai que l'on veut introduire dans cette fonction délai. Et on peut faire la boucle comme ceci. Voilà, on a fini de programmer notre boucle while avec un délai à l'intérieur. Alors attention aussi ici de bien connecter l'entrée condition de la boucle while. On peut ensuite donner un nom exact, alors while loop avec un délai. Et maintenant, pour être vraiment un puriste, eh bien, vous voyez si je clique ici sur while loop, eh bien ici j'ai une description donc de la boucle. Et j'ai la catégorie donc dans laquelle est placée cette loupe. Alors je vais faire une copie donc de ceci et je vais placer ceci dans la nouvelle macro qu'on vient de créer, donc à cet endroit, CTRL V. Et ici je pourrais mettre while loop avec un délai par exemple comme description. Je fais un save. Et ensuite, eh bien, je peux retrouver donc dans un blueprint cette nouvelle boucle. Donc, si je reviens dans un blueprint, par exemple dans mon niveau de jeu, eh bien, vous voyez donc on a la boucle while loop. Alors, on peut retrouver donc l'autre boucle que l'on vient de créer dans les utilités flow control. Et ici, on doit retrouver while loop avec le délai. Donc voilà, il suffit de programmer cette boucle pour pouvoir donc l'exécuter.